août 1934, mer du Groenland. Le trois-mâts vapeur, pourquoi pas, du commandant Charcot multiplie les campagnes d'exploration en Arctique. Cet homme que l'on surnomme le gentleman des pôles s'est laissé convaincre de déposer la première mission scientifique française au Groenland Est. À sa tête, un jeune ethnologue dénommé Paul-Émile Victor, mon père. Le but de son expédition, enquêter sur une population récemment découverte, les Esquimaux. Nomades, ces chasseurs se sont adaptés à l'un des milieux les plus hostiles de notre planète. Le coup de foudre de mon père pour cette civilisation est immédiat. Après un premier séjour d'un an, il revient durant l'été 1936 et s'installe avec une famille de chasseurs esquimaux à la hutte de Kangerlussuaq. Au cours des 14 mois de son hivernage, Paul-Émile Victor partage le quotidien de sa famille d'adoption. Les conditions sont précaires, l'expérience intense, une des plus intenses de sa vie. À son retour en France, mon père fait découvrir les Esquimaux au grand public. Ses écrits, ses photos et ses films connaissent un vif succès. Paul-Émile Victor devient une célébrité dans la France d'avant-guerre. Soixante-dix ans plus tard, je découvre à mon tour la côte orientale du Groenland. Cette terre si chère à mon père. Bercé par ses récits, j'ai toujours voulu m'aventurer dans cette région polaire. Pour cette expédition, je suis parti avec Xavier Desmier, photographe rompu reportage de l'extrême. Notre objectif, sillonner les fjords sauvages de la région d'Amasalik et nous rendre à la hutte de Kangerlussuaq, où mon père avait séjourné. Au pays des icebergs, je vais enfin comprendre sa passion pour cette terre légendaire. À mon tour, je pars à la rencontre des Esquimaux, désormais appelés les Inuits.